Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui. Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceci, je suis en compagnie de tous mes frérots. Il y a Fafouné du Ghetto, Fafa TV. Il est avec moi aujourd'hui et il a une chaîne YouTube dans laquelle je fais des vidéos avec lui. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. N'hésite pas, vas-y. Le lien est en description. Je suis avec Lucas aussi, le petit frérot, vous commencez à le connaître. Il y a son Instagram qui s'affiche, si vous pouvez le rajouter, il répond à tout le monde. Et on est avec quelqu'un que vous avez déjà vu dans mes vidéos, Giovanni Magie, qui a une chaîne de magie et qui est très fort. D'ailleurs, c'est son métier, c'est son boulot, il fait YouTube à côté, mais il est très fort. Si vous voulez voir des tours de magie, de l'hypnose, des trucs comme ça, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, le lien est en description. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vidéo assez spéciale, assez risquée. Comme c'est la fin de l'année 2021 et qu'on passe en 2022, on s'est dit pourquoi pas tenter une vidéo comme ça. Donc je me suis fait imprimer un t-shirt avec un Z devant comme vous le voyez ici. Un Z qui signifie Zemmour, parce qu'aujourd'hui Zemmour malheureusement fait beaucoup parler de lui. Et en fait, je vais rentrer avec ce t-shirt sur moi. Je vais rentrer avec ce t-shirt sur moi dans un quartier où il y a des jeunes. Donc je tiens à préciser que je ne partage pas les idées d'Éric Zemmour et que j'ai fait cette vidéo dans l'unique but de créer du contenu et du divertissement. Tous les risques que je prends, ça me concerne à moi et ça concerne personne d'autre. Donc on va mettre ce t-shirt, d'accord, sachant que je ne représente pas cette personne, et on va aller dans un quartier pour voir comment les jeunes de cité vont réagir. Voilà. Donc ça peut aller très très loin, c'est pour ça qu'il y a mes collègues avec moi au cas où. Mais voilà, donc on va se rendre dans une cité, j'ai une petite idée de là où on va se rendre. On va regarder s'il y a des jeunes et s'il y en a, je mettrai le t-shirt et je passerai devant eux avec ce t-shirt. Et la suite, ben, je vous laisse découvrir la vidéo pour savoir ce qui va se passer. Voilà, c'était Kamoff et on se dit à tout à l'heure. Ciao. Ok les gars, donc là on est devant un quartier où il y a des jeunes, hein, comme vous pouvez le voir, qui sont postés dans le hall. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer avec le t-shirt Zemmour, président 2022, etc. Je vais passer au milieu comme si voilà, je traverse le quartier pour y aller, quoi. Et on va voir s'il y a une réaction. Donc on va y aller, le caméraman va rester caché là. Fafa et Giovanni et Lucas vont rester ici, et s'il y a quoi que ce soit, si vraiment ça part en bruit, les frérots, ils interviendront. Bonjour. Hein? Comment que je fais? Je fais rien, je passe. Ouais, non, je fais rien. Je passe. De quoi? C'est Zemmour, vous connaissez pas Zemmour? C'est Zemmour. Les gars, Éric Zemmour, vous connaissez pas? Tu vois quoi là? Tu vois quoi là? De quoi je vois quoi? Tu vois quoi? C'est quoi ça? Viens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça que... Attends, oh les gars, tranquille, qu'est-ce que vous me faites là? Vous faites quoi? Qu'est-ce que je fais? Mais rien, je fais Zemmour, les gars, Zemmour. Quoi? Tu veux me parler ou quoi? C'est moi là, tu vois? Mais pourquoi? C'est une t-shirt, genre, j'ai mis Zemmour. Ah, tu veux me parler ou quoi? Pourquoi? Attends les gars, pourquoi vous faites ça? Attendez, les gars. Tu es dans le quartier, tu es avec Zemmour, quoi, tu crois? C'est malin. Tu veux quoi? Vas-y, les gars. Non, mais frérot, c'est bon. Attends, pourquoi vous le prenez mal en fait? Je comprends pas. Mais pourquoi? Attendez, c'est quoi qui vous dérange en fait? Je comprends pas. T-shirt de Zemmour, mais alors qu'est-ce que c'est? Bah, je sais, il y a quoi? Zemmour président? Bah oui. Mais vous Zemmour, toi? Zemmour, tu veux Zemmour? Ah, tu veux. Mais tu veux où aller? C'est un malade. Tu refais le quartier maintenant, tu reviens, reste là. Comment ça, je suis en fait? Appelle-le, va. Mais les gars, mais ça sert à rien de faire ça, les gars, ça sert à quoi? Les gars, tu vas pas ce quartier, de toute façon, on est trois, t'es tout seul, tu vas pas ce quartier, moi je la merde. Vas-y, tu t'es foutu. Tu vas aller, laissez-moi, je vais aller juste là, t'es fou, reste là, reste là, on fait ça, les gars. Laisse-la, je fais. Non, t'as mis sur. Laisse-moi sortir, s'il te plaît, les gars. T'as appelé? Ouais, j'ai appelé, il arrive. Fais du monde. Mais qui c'est qui arrive? Arrête, frère, arrête. Ah, les gars, arrêtez. Je comprends pas le but, vous allez quoi? Vous allez me frapper à plusieurs parce que j'ai une t-shirt qui vous. C'est fini, mon pote. Je sors plus le quartier maintenant. Comment ça? C'est toi qui nous insultes. C'est toi qui nous insultes. En fait, j'ai mis une t-shirt qui vous plaît pas. Et du coup, vous voulez me frapper? Voilà, c'est exactement, on va te niquer. Les gars, allez, laissez-moi partir. Je vais aller à Tu parles mal, pourquoi tu parles mal? Comment ça se passe? Tu parles mal, je te dis. 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 Tu parles mal, je te dis.
Mais je suis pas raciste, les gars. Pourquoi vous dites sur. Tu fais ça? J'ai rien fait. Mais pourquoi? Ça pour venir comme ça ici? Arrête! Comment on fait, frère? Ils sont drôles, l'autre nous sort un couteau. Il faut qu'on appelle du monde. Mais les gars, je le reçois plus aussi avec le micro. Hein. Il a coupé. Hein. J'entends plus, moi. T'entends plus le micro? Appelle du refond. Oh, je lui avais dit à ce trou du cul, je fais pas des vidéos comme ça, c'est trop tabou. Mais frère, je sais pas pourquoi il va être trop. Essaye de quoi, Chiki? Attends, je l'appelle. Appelle. Regarde s'il répond, regarde, tu me dis s'il répond. S'il répond pas la tête, j'appelle des gens, frère. J'appelle des gens. Comment on va faire, gros, dans l'état qu'il doit être? Putain, cache sur la messagerie. Frère, il y a du coup de téléphone. Ah, ils ont pété le téléphone, ils ont tout pété, frère. Elle va savoir dans l'état qu'il est, gros. Parce que l'autre, il avait un couteau, frère, s'il s'amuse en plein. Viens, on passe pas derrière le coin, canard. Attends, je fais quoi? J'appelle des gens, non? Toi, ces histoires, frère, c'est vrai que ça finisse mal, frère. C'est fallait que ça finisse mal, frère. Putain. Viens, on va là-bas, frère. T'as vu la vidéo qu'on devait faire avec Amand? C'est tarpé mal passé, gros. On a plus de nouvelles de lui, frère. La tête de ma mère, il y a le gérant, il est descendu, frère. Plus de micro, c'est tout coupé, frère. La tête de ma mère, on a plus de nouvelles de lui. Tarpé chaud, frère. Ramène une équipe, gros. On s'est fait tarper, frère. Vas-y, ramène une équipe, frère. Ils sont 6 ou 7. Vas-y, gros, comme bon l'adresse. Yacine il arrive, frérot, dans 10 minutes il est là. Frère, 10 minutes c'est long, 10 minutes frère. Les gars, il est là. Prêt. Oh là là. Frérot. Ils t'ont défoncé, gros. Frérot, j'ai appelé Yacine, il arrive avec une équipe. Frère, vas-y. Bon, je t'appelle, je dis pas venir. Ça va, frère? J'ai envie de sang, frère. Tu t'es accroché ou quoi? Je t'avais dit, frère, de pas faire cette vidéo de merde. Avec Giovanni, on t'a dit, frère. Hey, tu nous écoutes pas, là, trou du cul, frère. Gros, oh, Kadji nous a sorti un couteau, frère. On a failli crever, gros. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Là, on va l'amener à l'hôpital. On va vous poster une photo. On vous donnera des nouvelles sur Instagram. Allez sur son Instagram. On va s'afficher juste en dessous et dans la description aussi. Et comme ça, on vous tient au courant un peu de l'avancée de staff. Là, il a le visage éclaté pour que vous compreniez. Sur YouTube, c'est censuré. On va vous mettre une photo sur Instagram pour que vous compreniez ce qu'ils lui ont fait. Et les gars, allez sur Insta, allez voir cette photo parce que les gars, vous allez serrer. C'est trop bon là. C'est beaucoup trop bon là.